Écris son nom sur une gousse d'ail et vous verrez comment cette personne s'effondrera et implore une seconde opportunité avec vous. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, partager et surtout cliquer sur la cloche afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Que cette personne vient s'effondrer à vos pieds et implore ton pardon pour avoir une seconde opportunité avec toi. Tu crois pas? Reste, je vais te montrer. Alors, tu vas allumer en première ta bougie blanche. Pour donner lumière, etc., etc., chemin à ton rituel, force également. Tu vas venir ici la prendre une gousse, un quartier d'ail épluché ou pas épluché, pas d'importance, d'accord, pour ce rituel. Tu vas venir ici écrire le nom de la personne d'un côté, d'accord, et de l'autre côté, tu vas écrire « Cherche-moi ». Je dis bien. D'un côté, tu vas écrire le nom de cette personne et de l'autre côté, tu vas écrire « Cherche-moi ». Tu vas la déposer sur le papier aluminium. Ensuite, tu vas ajouter de la poudre de cannelle qui est aphrodisiaque, la cannelle. Ensuite, tu vas ajouter du miel pour le sucrer, pour le canaliser, pour... Voilà, le miel ne veut pas sortir. C'est déjà vers la fin. Voilà, tu vas rajouter du miel comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, tu vas venir ici l'envelopper toujours en pensant à tout ce que tu attends de cette personne, ce que tu attends de lui, tes désirs, tes vœux et tout ça. Tu verras si tu le fais, cette personne-là t'aime, il va t'aimer et te désirer. Il va être avec toi. Alors, une fois fait, tu vas l'envelopper toujours vers toi. Ok? De toutes les façons, comme tu veux, tu l'enveloppes. Voilà. Autant de fois que tu veux, d'accord? Tu l'enveloppes encore. Tu l'enveloppes encore. Tu l'enveloppes encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne toute petite. Tu vas le déposer dans ton plat à l'aide d'un verre ou même je vais prendre cette bougie là. Déjà qu'elle ne s'enflamme pas bien, quelque chose de pesant, je vais prendre celle-là. Tu viendras tout simplement taper à chaque coup là. À chaque coup là, c'est un goût. D'accord? Tu le cognes et tu le stimules. Je suis là. Et voilà. Tu vas venir ici me demander pardon. Tu vas venir te fondre à mes pieds. Tu vas marcher comme je veux. Tu tapes, tu fais tes désirs. Toi là, tu serais à mes pieds, bla 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 bla, tu parles, tu parles, tu parles. Il faut vraiment taper jusqu'à ce qu'elle reste petite, le plus petit possible. Ne vous précipitez pas. Cognez, cognez jusqu'à obtenir qu'elle soit le plus petit possible. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez le mettre tout simplement dans un verre, comme ceci, ou dans un pot. Comme vous avez vu là, tu vas le fermer. Ça veut dire que tu as gardé la personne avec toi. D'accord? Tu le gardes dans un endroit jusqu'à ce que cette personne soit totalement petite à tes pieds. Jusqu'à ce que cette personne vienne t'implorer. Jusqu'à ce que cette personne vienne demander pardon et tout, tout, tout. Une fois que tu as eu ce que obtenu, ce que tu voulais, tu vas retirer ça. Et tu iras y jeter, tout simplement. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale, belle.